Julien contre Jean. Thomas contre Bernard. Fabrice contre Alexandre. Sylvie contre Jean-Claude. Pierre contre Michel. Jean-Paul contre Baptiste. David contre Walid. Et Laure, exemple. Buffet. Un point. Alors, je vous avoue. Vous allez. Dans l'atelier échec, en fait, ce qu'on fait dans cet atelier, c'est que ça permet aux gens de Paris 7 de venir jouer, apprendre pour ceux qui veulent. Il y a des cours pour plusieurs niveaux, il y a des joueurs qui viennent jouer. Il y a des gens qui viennent, c'est entre 14h30, c'est entre 12h30 et 14h30, donc il y a des gens qui viennent pour une heure parce qu'ils ont des cours avant, après, etc. C'est totalement. Il y a des gens qui viennent pour 4-5 séances juste à prendre la marge des pièces et puis après, une fois qu'ils savent jouer, ils vont se dire. Donc voilà, c'est un atelier très sympa parce que mélangé, il y a aussi des profs qui viennent, il y a du personnel, donc c'est très mixte aussi. C'est ouvert, c'est mis à la disposition de tous les gens de Paris 7, qu'ils soient étudiants ou personnels. Très bien. Et pour ce tournoi-là, ça se fait tous les mois, toutes les semaines? Alors le tournoi, régulièrement, on a un petit tournoi il y a des petits prix d'ailleurs pour tous. C'est encore une fois la générosité du service culture. Et puis il y a la possibilité en fait pour les joueurs qui commencent de se confronter à des joueurs de club qu'on invite parce que voilà, ils ont la disponibilité de venir, ça leur fait plaisir, c'est des gens du 13e qu'on invite, donc qui viennent un peu en voisin. Et c'est intéressant aussi pour les étudiants qui apprennent de se confronter à des joueurs plus expérimentés pour voir la différence entre le niveau club de copains et le niveau de club. Et est-ce que il y en a parmi les gens du club qui vont après l'université continuer à l'échec pour pourquoi pas faire des compétitions en dehors de l'université? Bien sûr, oui, alors ouais, justement, il y a même eu un cas en fait où un joueur hein, qui est maintenant en fait qui joue pour moi qui est de Paris 7, qui est Julien Der, qui est prof et chercheur ici. Comme étudiant, il a joué aux échecs. Donc je l'ai connu pas dans le contexte de Paris 7, mais quand il était étudiant, et là je le retrouvais niveau dans le Paris 7 alors qu'il est prof, donc il a continué et c'est devenu un forgeron de club. Et alors c'est un des favoris, peut-être le favori. Quel lien il y a entre, bonjour d'abord, excusez-moi, qu'il y a entre la citoyenneté, l'éco-citoyenneté et les échecs, parce que ça se situe dans un contexte général de, à Paris 7 de l'éco-citoyenneté. Disons que les échecs, la qualité de cette pratique, c'est que c'est quelque chose qui est totalement mixte au niveau âge, au niveau sexe, et au niveau social ou intellectuel. Je donne des cours aussi à des enfants dans les écoles. Quelquefois, il y a des enfants qui arrivent qui ne savent pas parler français. Ils apprennent grâce aux échecs. Il y a un langage universel. Et aux échecs, à ma connaissance, c'est la seule activité qui permet, comme sport, de se confronter, quel que soit le niveau. C'est-à-dire que vous avez une petite fille de 4 ans qui sait ni lire ni écrire, elle peut battre le PDG d'IBM aux échecs. Or, vous n'avez pas d'autre activité où, par exemple,
S'ils faisaient du judo ensemble, supposer que le club ferait une différence. Au niveau Scrabble, le fait de connaître des mots, ce sera un avantage. Plein de choses, et aux échecs, c'est une activité qui permet, et d'ailleurs, on a des prodiges aux échecs qui battent absolument tout le monde. Donc c'est une école de la pratique éco-citoyenne. Pour moi, disons que c'est un jeu qui est comme une démocratie parfaite. Tout le monde peut jouer, quel que soit le langage. Il y a juste besoin d'un échiquier qui dure à vie, sauf si on fait un coup. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui... D'ailleurs, la composition du tournoi est assez mixte pour illustrer ça. Et alors, dans le 13e, il y a une grosse population chinoise. Est-ce que vous avez déjà été confronté aux échecs chinois? Leur mode de jeu, les différences? Oui, les échecs chinois, c'est un très beau jeu, mais c'est tout à fait un jeu. Oui, mais bien sûr. Oui, c'est même un grand maître d'échecs classique qui m'a initié aux échecs chinois. Donc, j'y joue, je m'y intéresse. C'est des jeux, il y a une proximité en général de tous les jeux de plateau qui ont la même origine. Dame, échec, go, tout ça, il y a une proximité. C'est en fait une affaire de contrôle de territoire. Au mois de janvier, j'ai organisé une semaine de la culture chinoise dans Belleville et on a fait un concours d'échecs avec un maître qui est venu, qui vit d'ailleurs à Paris. On a été très surpris de voir des dizaines de personnes de tous âges venir s'inscrire pour regarder jeu. Anciennement du quartier, là, j'habitais des locaux. Et donc, on jouait nous, dans un café qui se trouvait au Chat Noir. Et on jouait tous les lundis, etc. Et il y avait tous les clients qui arrivaient, qui proposaient des coups, tout ça, c'était super sympa. Hein. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui jouent aux échecs. Et encore une fois, je trouve que c'est rassembleur parce que du fait qu'il n'y a pas d'obligation de connaissances préalables, quelque chose que ce soit requise avant de jouer, du coup tout le monde est intéressé. Donc c'est régulier, c'est tous les mois, c'est... L'activité, là, échec, elle est régulière. Ici, on a à peu près entre octobre et avril. 7 ateliers échecs entre 12h30 et 14h30. Et puis les tournois, là, je crois qu'on fait le 3e de l'année. Donc là, on en fait au moins par an. Et cette année, on en a fait 3. Le maître Emmanuel Neumann, c'est comme ça qu'on dit? Merci de votre accueil. Et bravo. Merci, c'est un très lent départ.